Pour les aborigènes. Shit. J'aime pas ce son. J'aime pas les chats. Fin, c'est DoomKC89, on est de retour dans Green Hell pour notre épisode numéro 6 de notre Let's Play. Dernier épisode, on s'est fait des amis avec les voisins. Pas vraiment, mais bon. Ouais, en tout cas. On leur a dit bonjour de façon polie avec mon arc et ma lance. Qu'est-ce que j'ai sur moi? On va s'inspecter, on commence. La drill de ce... Ah! Une armée de... L'armée de sangsues partout. Good, ok. Bon, ça c'est fait. Puis aujourd'hui, ce que je voulais faire, depuis ce temps-là, j'ai ramassé un peu de bambou pour essayer de faire avancer certaines ressources. Certains crafting. Comme ceci. Bamboo stick. Normal. Ici. Je pense que c'est un fumoir, ça. Ok, ça aussi, c'est des bamboo sticks, même s'ils sont... Ok, il n'y a pas d'items qui sont comme des small sticks pour le bambou, les petits bâtons. C'est des bâtons, simplement. Ils sont tous de la même grosseur, malgré qu'ils ont différentes apparences. Ah, j'arrive juste. Oh, ça me prend de la corde, par exemple. Ça, j'en ai pas beaucoup. J'en trouve. Ouais. Puis là, nos gros problèmes majeurs en termes d'alimentation en ce moment, c'est pas mal le gras. Quoi qu'on a trouvé certaines viandes qui peuvent nous fournir un peu de gras, mais sans plus. Il y a encore le petit... C'est-à-dire le Tamiya, pas le Tamiya, le tatou qui se balade aux alentours puis qui essaie de me jouer des tours là. Il faut que je vais finir par l'avoir, je vous dis. On va finir par l'avoir. Ce que j'aimerais comprendre aussi, parce que je sais que c'est possible, c'est comment faire certaines recettes avec la bouffe là. Manière de faire des soupes ou des stews, des ragouts, whatever, avec ça. Je sais pas encore. Je sais que c'est possible, je l'ai vu. Mais je sais pas encore comment faire. Peut-être que je me trompe aussi. Peut-être que j'ai peut-être halluciné ça. La drogue, c'est mal, les enfants. Good. Là, ça me prend des feuilles de banane. Banana leaves. Comme ceci. Une grande feuille longue. Ça a l'air complètement imperméable. Je trouve que ça ferait des meilleurs toits que ce que j'ai utilisé pour mes toits. Là. Mais bon. Et ben voilà. On a un fumoir. Et qu'est-ce que ça va me permettre, le fumoir? Ça va être de fumer la viande, évidemment. Ça va se conserver plus longtemps. J'ai parti un feu ici. Et si je veux pas qu'il se détruise complètement... En fait, s'il se détruit complètement, ça me coûte du bois. Si je le garde en vie, ça me coûte du bois. Fait que dans le fond, je peux le laisser se détruire. C'est pas plus grave que ça. Faut juste que je le réallume. Ça, c'est un peu plus chiant. Mais c'est pas catastrophique. T'sais. Comme celui-là, j'ai pas de viande crue sur moi. Hmm.
pensais que ça allait être plus utile que ça, le filtre à eau, mais finalement, on n'a pas jamais vraiment besoin. Il pleut tellement souvent dans le jeu. De la corde. Donc on continue à fabriquer. Tiens, lève-le mon tatou. J'ai pas assez d'énergie pour le pourchasser. L'arc, vraiment le fun à utiliser cependant, compte vraiment trop d'énergie. Ça en est même pas drôle. J'ai dit, il fallait que. J'arrête d'utiliser trop mon hache. Monter mes autres skills aussi, ça serait une bonne idée. D'un, puis la hache coûte plus cher peut-être à fabriquer que... Qu'est-ce que ça dit notre alimentation? Hein? Chose, ça doit être la première chose que je regarde en commentaire. Vous voyez? Bon, les carbs, c'est pas grave. Le sucre, ça descend vite, mais on a tellement de champignons. Tellement de sources de sucre. Aux alentours, c'est vraiment pas un problème. Je vais en manger en exagération. Un parasite. Ok, j'ai pas eu un parasite. J'ai pas mangé de quoi de pourri. Bizarre, en tout cas. Il y a quand même qu'il y en a partout. Il y a plein de bûches comme ça. Ils sont pas détruits. Qu'on peut pas détruire. Ah ah. Ça me de même. Trad la coquille, je le bute. Turtle shell, yeah. Mais plusieurs fois, je passais à côté, je me disais, ah, un moment donné, pas qu'elle est cute la tortue, mais. Il y a des crapauds, il y a toutes sortes d'animaux aux alentours. On a du poisson. Bon, là, je suis juste curieux. Peut-être que j'ai... Turtle meat? Ça, je la fasse fumer, je sais, mais là, je tente pas de partir mon fumoir. Je veux juste voir un peu. Putain, brûle mon araignée. Mais c'est ça, le capybara. Mouse meat. Ça vient de me pourrir dans les mains, hein? Plus simple la sanity en plus, c'est ça que j'ai. Je mangerai honnêtement juste pour ça. Combien de temps? Bon, à peu près 2 jours, un peu moins de 2 jours. La viande cuite se conserve. Continue à fabriquer mes trucs. Juste faire un mur là, juste. Je sais même pas pourquoi en fait. C'est vraiment juste pour le look plus qu'autre chose. Ça rend pas les murs les plus. Chanceux que je t'aime bien, petit tatou. Il est un peu farouche, mais il est sympathique. Et pour l'instant, j'ai pas vu non plus de gros prédateurs, là, des cougars ou whatever aux alentours. Fait que je pense qu'on est vraiment dans un bon endroit, relativement sécuritaire. On est un peu limité dans nos mouvements parce qu'on est proche de la limite de la carte, là. Il y a la rivière aussi un peu qui nous limite un peu, je veux pas.
Checker ça, il y a de la noix de coco partout. Ça peut être aussi une bonne source de gras. Sinon, source de gras, autre les noix. Moi, je trouve, la noix de coco. Mais les petites noix là, qui ressemblent un peu à. Des cocottes. Les noix de pain. Prendre l'araignée. Prendre la viande. Là, il est comme de bonheur aujourd'hui qu'on va être fatigué déjà, mais. Mon cycle de vie ne suit pas nécessairement le jour et la nuit, mettons. Sens. Ah, j'ai plus besoin de ça. J'ai besoin de la corde, c'est ça qui me manquait à installer. Ça, puis après ça, avec des feuilles, mettre un toit là-dessus. Oui, elle me passe entre les jambes, le petit maudit. Tant que je te pogne. Coquin, je vais faire des murs partout pour l'empêcher de se sauver. Je vais faire un enclos s'il faut. He's not gonna run away this time. Comme ça. Je semble que je suis capable de m'en débarrasser. J'ai brisé ma hache. Bon, j'ai-tu d'autres cordes sur moi? Oui, j'en ai, ok, good. Bon, on va se crafter une hache de bord. Craft avec la corde. Non, je vais pas prendre une torche. Effet de consommation. Aucune. On peut sûrement s'en servir comme un bol, comme toutes les autres. Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Pierre. Non. Une pierre. Stone. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas une pierre qu'il faut que je fasse. Faut littéralement que je fasse un outil en pierre avant. Une lame. Et là, je vais pas me crafter. Je pourrais faire ça avec une lame en os, je crois. Hein, on va regarder pour le fun. Couteau. Bone knife. Ah non, c'est un couteau, c'est pas juste un os. Moi, ça me prend juste un os. Bon, tant pis, je vais faire avec la recette que je suis habitué. La recette habituelle, quoi. Un pas pire. Es-tu juste là, puis il m'attend? Check-moi bien, mon petit verre. C'est drôle, hein? Crinquer ma lance, ça prend pas d'énergie. Ah! Gotcha! Armadillo. J'ai dit un tatou, là, mais... Donc, lancer la lance, ça ne demande pas d'énergie, mais tendre l'arc, oui. Une drôle de forme. J'ai pas l'impression que je peux faire. On dirait que je peux juste faire tomber les feuilles. Bon, là, je faut que je drop ça. On veut crafter. Et depuis la dernière mise à jour, s'il y a une nouvelle mise à jour, je sais pas si on a des. Ah, oh, c'est ça, je vais voir si on a des nouvelles recettes. Parce que là, il m'affiche qu'est-ce qui est nouveau. Mais là, c'est comme si c'était nouveau, même si je les avais déjà. Puisque c'est la première fois que je le consulte depuis. Lance, un arc, tribal firestarter. Je pense pas que j'aille de quoi de nouveau, au moins qu'il nous ait donné des nouvelles recettes qu'on peut utiliser. Bon, est-ce que j'ai des nouvelles informations? Basic dressing, ok. Anti-venom property, anti-venom property. Oh, kills parasites. Ok, donc les petits champignons orange, ça peut tuer les parasites si j'ai un parasite. Fait que parasites, peut-être les vers. Les vers qui nous rentrent sous la peau. Hein. Abrasion. Venin.
Leech, les food poisoning worm. De ceux-là, ici, là. Using a bone. Bone painfully remove the worm. Ils ne disent pas dans mes traitements, mais. Je sais pas si ça compte comme un parasite. Sinon, les censures. Tear off of your body, non. C'est pas vraiment un parasite en soi. Hein. Mes skills, y'a rien de nouveau là-dedans. Les frames, les murs, les sheds, les toits. En feuilles de palmier, j'en ai beaucoup aux alentours, fait que. Puis histoire que ce soit uniformisé. On va remplir ça comme ça. C'est 15 feuilles, je pense. Un toit ou 16. Non, je vais pas le déconstruire, je veux le terminer. Ah, il m'en manque un. Pardouille. 3, 4, 5, 6. Ok. 3, 4, 5, 6. Un, deux. Je n'en vois pas d'autres de même. Il y en a un autre là, 4. On peut en passer peut-être. Oui, c'était ça qui m'en manquait. Good. Il ne manquait pas beaucoup. Attends, ça de même ici. Fait qu'on a un petit endroit où ça y gagne. On peut sauvegarder en dessous de ça. Sérieux, toi là? Ben oui! Pas besoin de... On a même pas besoin de se faire un bruit, on pourrait juste faire ça, ça fera le travail. Ok, cool. L'autre affaire, bon, c'est ça, je voulais faire le tour des recettes, voir s'il y avait quoi de nouveau. Hydratation, le collecteur d'eau. Fait que ça, avec la pluie, mais écoute, je sais pas, l'avantage, peut-être que ça collecte plus vite de l'eau que juste la noix de coco au sol. Le filtre en bambou. Pareil, bambou, en fait le filtre ordinaire en bois puis l'autre en bambou. Les pièges, une cage, une pierre, les poissons, les abris, il n'y a rien de nouveau non plus, donc on n'a rien de vraiment nouveau depuis la dernière fois. Hey, qu'est-ce que je fais là? Oh, ok, je suis en train de tirer une roche. Ma pile de noix de coco est tombée. Bon, l'espace dans le sac. Attends, dépose de ceci aussi. En fait, ça je vais le mettre. Je vais le mettre ici, lui. Non, je peux pas faire ça, c'est vrai. J'avais oublié. Ça me prend une autre sorte de... J'ai deux bidons sur moi, j'en ai pas besoin. Ça, ça pousse. Ça pousse à l'infini, ça se barre de chez nous. À une vitesse astronomique. Je pensais au début que le jeu allait être difficile au niveau alimentation, mais ça semble être pas tant un problème finalement.
Quand on sait où chercher, quand on a la bonne endroit. Là. Sanité moins 5. Manger des araignées, c'est pas bien. Ok, manger de la viande, c'est bien. Je vais juste me venger de l'araignée qui m'avait... Ah, c'est vrai, j'ai de la viande de Heimat de là. On va faire cuire. Je vais la mettre... sip, sup. Liquer dans 16 heures. Déjà, le coucher de soleil. On va dormir. Ah, t'as une inspection à passer avant. Ah oui, évidemment, hein, les fameuses sangsues qui apparaissent tous les jours. Minimum une fois par jour. Je veux dire, si je me déplacerais dans l'eau, je peux comprendre que j'ai des sangsues sur moi. Sinon, non. Il n'y a pas de raison que... Oui, ok, les sangsues sont capables de vivre à l'extérieur de l'eau. C'est vrai. Mais je ne me déplacerais pas en si grande quantité que ça. Alright, je vais faire un petit quick save. Et... ce matin, comment on se sent ce matin? On sent prêt à manger des champignons. Encore faim de déjeuner avec des champignons. J'espère que t'aimes les champignons, mon homme, parce que... c'est le parasite moyen. Donc, les champignons oranges peuvent servir à ça. Bon, c'est trouver une direction dans laquelle on n'est pas encore tant allé. Non, on va voyager. C'est de trouver d'autres campements, trouver d'autres recettes, des trucs à fabriquer. Tu as attrapé avec mes mains? Non? On va laisser tranquille d'abord. J'ai pas besoin de viande en tant que telle en ce moment, j'en ai plus que suffisamment. On était déjà passé ici. Je crois. Je sais qu'il y a 2-3 locales qui vivent ici. 2-3 aborigènes. Shit. J'aime pas ce son. J'aime pas les chats. Soit d'aller où est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante ou est-ce qu'il y a un chat qui gronde. Essayer de se faufiler entre les deux, je le vois pas. Il doit pas être bien loin. On va se balader tranquillement en forêt. Hein? En profiter pour ramasser des trucs que je trouve pas nécessairement partout proche. J'en ai pas tant que ça, des proches des cordes. Proche de la maison. Proche du campement. On va dire ça de même. Non, j'ai bien la misère à ça. Fatiguant, essayer de sauter sur une roche, aussi. Il y a quelque chose là, il y a un rack, je les entends. Je sais pas s'il y a de quoi, de valeur, quelque chose qu'on peut trouver de nouveau. Ça vaut-tu la peine d'aller les voir? Je sais pas, là, sûrement j'ai un couteau, j'ai ma lance puis un arc. Je suis capable d'être stealth. C'est une jolie chanson qui nous fait là. On a un sud bas du feu. On dirait une silhouette.
J'aime beaucoup ta chanson. Continue. Continue comme ça. Non, j'en ai assez. Je sais pas si ça vaut la peine de les attaquer. Ça me donne-tu quelque chose? Pas d'espace dans mon sac à dos. Ça en est plus proche encore que je pensais. Je sais pas si ça veut dire quelque chose ou si on genre invente un langage ou si c'est vraiment un langage tribal de quelque part. Si vous avez de l'information à ce sujet-là, dites-moi là, ça m'intéresse. Non, c'est juste une assise. Ah, l'eau, toi. Mais je prends pas de chance. On va l'attaquer de loin. Cool. Cool comme structure, pareil. Ah! Oh non, je l'ai pas vu en tout, lui. Venomwound. Non, c'est quoi pour combattre le venin, déjà? Je l'ai peut-être direct sous moi. C'est-tu cet effet-là? Effect of consumption unknown. Unknown. Je sais que c'est une sorte de plante que je... Ok, on parle d'alimentation, là, dans ces consommations, ces effets-là. Bon. Vert, food poisoning, peach. Venomwound. Ban in combination of plant with antivenom property. Oui, je sais, c'est quelle plante que je cherche. Antivenom tabac. C'est pas ça que j'ai ramassé. Moins un food poisoning. Non, là c'est plus un food. Shit, c'était pas bonne plante. Moins deux food poisoning, ok, cool. Ça a-tu enlevé le venin? Non, ça a pas enlevé la fièvre en tout cas, mais... Ben je vois... Non, j'ai plus le venin. J'ai de la fièvre encore. Ben, je comprends pas. Ça va être la bonne affaire. J'étais sûr que c'était du tabac. Ouais. Non, non, c'est les feuilles rouges, ça vient du tabac. Il est où le petit Chris? Es-tu là? J'ai eu ma vengeance. Tu ne mordras plus personne. C'est fini pour toi. Inconnu. C'est la première fois que je vois ça. Ok, effet inconnu, fait que je sais pas si c'est comestible ou pas. Mais je vais attendre d'être dans un endroit sûr avant de manger ça. Je vais me nourrir de d'autres choses en attendant. Je vais boire de l'eau en masse.
Là, j'ai compris, plus que nos. Dans le fond, notre barre de santé est dépendante de la quantité de. Des nutriments qu'on a. Si je suis en manque de nutriments, ma barre de santé va diminuer. Le maximum que je suis capable d'avoir. Donc, pour être à son 100% en santé, dans le fond, il faut que j'aille les nutriments au maximum ou pas mal. Où les amis? Bon, je pense que. Oh, il sourit, je pense. C'est bien bizarre. Je pense que de même, je redescends à la maison. Encore fiévreux, mais notre état s'est stabilisé. Si on veut avoir l'information sur les effets sur nous, les différentes plantes, les fruits, etc., on n'a pas le choix de les essayer. Ah, bizarre. La roche a bien disparu. Comme devenu invisible. Bon, là, je gage que j'ai ma montre qui apparaît, ça veut dire pour demain qu'on a un problème nutritionnel et ça doit être les gras. Évidemment. On va boire de l'eau. Je veux pas les ramasser. Non. Je vais la dropper d'abord. Je vais remplir mon bidon, comme ça. Que de le remplir avec les. Wow! Ok, je viens de pass out. J'ai pas remarqué, j'étais épuisé à ce point-là. You passed out et je me réveille. Six. Ok, c'est ça, bon. Faut que je fasse attention avec c'est quoi le symbole. Je veux pas le verser, je veux ramasser. Ok, comme ça. Great. On va. Je vais bâtir un feu, mais j'ai pas l'énergie pour le faire. Bon, ben écoute, il me manque quoi? Du sucre et du gras? Ça veut dire noix de coco sur mon âme. Je pense qu'elle a pas aimé ça, ce coco-là. Toi là-bas. Toi ici. Ok, mais j'ai pas besoin de faire ça. Ok, cool. C'est sûr que je perds l'eau si je. Veux-tu du gras en v'là? Notre énergie est très très basse cependant. Il va falloir dormir, ça nous a épuisé le fait de. D'avoir fait une fièvre. On va dormir. Fait que c'est vraiment un jeu. J'ai vraiment l'impression que c'est. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est un jeu qui me fait penser à.
à The Long Dark, dans le sens que c'est vraiment très une expérience de survie pure et dure. Hein. Il y a moins. Le crafting est très limité. Dormir avant de passer out une autre fois. Tiens, ça va être suffisant. De toute façon, je veux pas me réveiller juste avant pendant la nuit. Ah bah ben oui, évidemment. Hein. Je l'ai me laissé là, mais il a pourri au soleil. Je sais pas trop, ça a pris. Ça a pas pris de temps, il me semble. Ok. On va construire. Ça sont alignés. On dirait une constellation. Non, ça n'a pas rapport. Ok. C'est les ronds sur le fumoir. C'est pas ce que je veux. Ah, ben, j'ai fait une nouvelle découverte. Et c'est probablement la plante que j'ai mangée qui m'a rendu malade. Street food poisoning. On va manger ça pour voir. Je peux crafter avec. Bon, ça me donne des cards, mais ça me rend malade. Food poisoning, great. Alors maintenant, je le sais. Peut-être que je fasse cuire. C'est pas super, là, c'est un niveau 1. Bon, je veux construire un feu, c'est ça que je veux faire. J'en ai besoin de deux. Non, on va partir le feu avant de mourir. Avant de retomber fatigué à cause de l'empoisonnement alimentaire. Great. Puis là, on va. Fumer notre viande. Oh my god, bon. Toutes les. On trouve tellement de champignons là. Faudrait qu'on ait une option pour détruire, genre, parce qu'il me marque, là, il y en a 12. Faudrait que j'ai une option pour toutes les détruire. Ou toutes les. T'sais, d'avoir toute la possibilité d'en détruire plusieurs ou d'en manger plusieurs à la fois. La même option qui est ajoutée dans Substance, puis la même option qu'il y a dans le jeu là pour les racks de nourriture. Mais ça a quand même affecté solidement. Il pleut encore, il pleut tout le temps, vraiment là. C'est incroyable. Bon. Manger ça tant qu'à avoir besoin de manger autant de choses. J'ai-tu trop mangé? C'est quoi la joke? Qu'est-ce que j'ai mangé qui m'a rendu super malade? Ah, je comprends pas là. Moi, je combat l'empoisonnement alimentaire, donc. Dans les plantes. Food poisoning, unknown fruit. Effet, ça m'empoisonne. C'est pas ça. Treat food poisoning. Ok, il y a une différence. Un treat. Puis. Fait que pour la traiter, c'est les feuilles vertes et rouges. C'est ça que j'ai pris? Ouais. On mangeait ça. Moins 2 en food poisoning. Encore. Donc quand il est marqué effet food poisoning, c'est vraiment l'empoisonnement. Ça va me rendre malade. C'est ça marqué traitement d'empoisonnement. Alright. Ça fait un bail qu'on roule, fait que je vais terminer ça là-dessus. C'était donc chez Canada. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se voit dans le prochain.
D'ici là, amusez-vous bien. Ciao. Il pleut encore, bâtard.